renouer avec la victoire. Renouer avec la victoire. La bonne vieille méthode Coué, bien martelée, ça peut marcher. Et puis Toulouse, c'est pas l'extase à l'extérieur non plus depuis le début de la saison. Bon, forcément, il y a des exceptions. Et Bonnier en est une. Coup de froid sur la Beaujoire, Toulouse mène 1-0 à la pause. Ah oui, on a oublié de vous dire, il tombe des cordes sur Nantes. La Poulouse en a pris un coup, pas facile de pratiquer du beau jeu sur un terrain qui semble miné par des taupes. Seulement voilà, à Nantes, on ne se cherche pas de mauvaises excuses, on construit. Fabry, alerté par Berson, s'engouffre dans la surface. Il temporise juste ce qu'il faut pour être appliqué. La seconde période vient de reprendre et cette égalisation pleine de sérénité et de sang-froid va relancer Landreau et les siens. 10 minutes plus tard, on exploite encore les côtés avec Nicolas Laspal. Il déborde et va centrer au second poteau parce qu'il a repéré Monterrubio. Avantage nantais. En fait, sur le ralenti, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Prunier touche cette balle et la détourne. Et Monterrubio suit tranquillement. Après ? Eh bien après, Nantes, comme souvent, quand elle est en confiance, va se lancer en contre. Dégagement parfait d'Olembe. Moldovan a des jambes. Il se présente seul face à Revaux. Et duel gagnant. Pour l'attaquant roumain, ça fait 3-1 pour Nantes, 8e but personnel pour Moldovan, qui a bien cru quelques minutes plus tard qu'il allait même signer son 9e, dis donc. Le problème, ce sont les taupes de la Beaujoire. Elles vont se rappeler aux bons souvenirs des plus grands techniciens. Et hop là, 3 buts à 1 en 6 minutes, on pense que Toulouse s'est résigné, mais c'est pas sûr. Sur cette action emmenée, observez bien Prunier. Il va se replacer. Le centre, cette fois, est récupéré par Egagny. Et Dieu est à la réception, score final 3 buts à 2. Vous voyez la méthode Coué, ça peut marcher, même si Nantes n'est pas leader ce soir. Déçu, monsieur Denouex ? Non, pas du tout, non. Non, avoir 36 points ce soir, c'est vraiment intéressant au bout de 21 matchs. Avoir réussi à repartir, parce qu'on avait réussi à en gagner 8, il y avait eu 2 défaites. Mais bon, on ne peut pas tous les gagner, c'est inévitable. Alors, être premier, c'est une satisfaction au point. Alors, le petit but, alors si évidemment on pouvait se maintenir dans cette zone-là, c'est vrai que la différence de but aura de l'importance, mais ce soir, non, pas du tout. C'est vraiment le plaisir d'avoir gagné le match, tout simplement.